Il est étrange de remarquer que voilà une société qui ne possède pas, dans sa culture officielle, de style propre, mais erre de l'un à l'autre. Pendant ce temps, et sous cette culture apparente, s'active le grand système commercial. Pierre angulaire de cette société, que les gens cultivés croient être à leur service, mais qui en réalité les domine et détruit les rapports sociaux. Car ce système est par essence une guerre, et seule sa mort le changera. Cette guerre, homme contre homme, classe contre classe, dont la devise est « ce que je gagne, tu le perds ». Elle durera jusqu'au grand bouleversement dont le but final est la paix. Relève de la culture. L'histoire de l'art, si elle se borne à indiquer les dates des salons, des expositions et des manifestes, n'est pas de la culture. En revanche, savoir dessiner ou peindre, voire simplement savoir distinguer les croûtes des chefs-d'œuvre, voilà de la culture. Ma définition de la culture est ainsi singulièrement étroite. En revanche, elle compense son étroitesse en étant plus large sur un autre plan. Elle englobe en effet tout le domaine à l'intérieur duquel on peut distinguer une bonne et une mauvaise manière de s'y prendre. Et de ce point de vue, les pratiques de la vie quotidienne font tout aussi bien partie de la culture. De haute et de basse culture, de culture d'élite et de culture populaire. Mais une différence de degré n'est pas une différence de nature. Aucune culture n'est donc un simple savoir, et toute culture prétend donner une solution aux problèmes éternels, grands ou petits. Comment faut-il parler ? C'est toute la morphologie, la syntaxe, les euphémismes. Comment faut-il travailler et échanger les produits du travail, l'économie? Comment éventuellement les donner? Parmi ces mots disparaîtra, c'est mon intime conviction, celui que je tiens pour l'un des pires, et qui constitue le plus lourd des esclavages, à savoir ce fait que la plupart des hommes passent la majeure partie de leur vie à travailler, au mieux à une tâche sans intérêt et qui ne développe aucune faculté, au pire à un vrai labeur de forçat, imposé par la coercition la plus stricte, et auquel tous tentent de se dérober, ce en quoi on ne saurait les blâmer. Ce labeur les dégrade au rang de sous-hommes. Ils en prendront un jour conscience et ils clameront leur volonté de redevenir des hommes. Seul l'art permettra cela et abolira cet esclavage. C'est son but le plus élevé, c'est sa fin la plus glorieuse. Ça fait du sens avec de la différence. On peut le voir à propos du langage, qui est le support de tout ce qui est culturel. L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. Cite une série de différences de sons combinées avec une série de différences d'idées. Il résumait sa pensée en disant « Dans la langue, il n'y a que des différences ». La culture est de la même façon une manière de réduire l'indifférence originelle des choses et d'introduire de la différence. Comment choisir ?
peut-être des plaisirs qui nous échappent. Je suis, me semble-t-il, aussi reconnaissant que je le dois aux esprits plus théoriciens qui nous remettent dans le droit chemin lorsque notre désir d'action nous égare. Et je suis aussi, je le confesse, quelque peu envieux de la béatitude qu'ils connaissent en s'abîmant dans la contemplation de la perfection de leur théorie favorite. Bonheur dont nous ne jouirons jamais, ou rarement, nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement pour examiner comment va le monde. Nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement pour examiner comment va le monde. Qu'avons-nous fait de notre présence au monde ? L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. Nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement, qu'avons-nous fait de notre présence au monde ? L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. L'art est l'expression de la joie que l'homme tire de son travail. Qu'avons-nous fait de notre présence au monde ? Nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement, alors que tout part d'ici, de chacun des pas que nous faisons dans ces décors qui sont à notre image. Qu'avons-nous fait de notre présence au monde ? Alors que tout part d'ici. De chacun des pas que nous faisons dans ces décors qui sont à notre image, qui sont ce que nous faisons de notre présence au monde. Qu'avons-nous fait de notre présence au monde ? Nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement pour examiner comment va le monde.